Vous me connaissez sur le nom de Gérard Kouadja. Mon nom Paikin, c'est pour nous. Mon père, c'est Auguste Kouadja, grand chef du district de Poinda, engagé volontaire au sein du bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle pas moins de 2000 Calédoniens, dont un millier de Kanaks, ont participé à la défense du monde libre. Mon père était stockman. Il a ensuite été éleveur, lui-même sur sa propriété. C'est la concrétisation d'un rêve. Ce rêve s'est fracassé à partir de 1983-1984. Notre cheptel a été abattu, nuit après nuit, à coups de sabre et de tamioc. Nos champs ont été saccagés, nos barrières coupées, notre famille menacée. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, nous n'étions pas politiquement du bon côté. Nous étions du côté de la France, du côté de la République. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant mon attachement viscéral à la paix. La paix que l'on a tissée depuis que deux hommes d'exception, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont su se serrer la main au lendemain du terrible drame d'Ouvéa. Celui qui s'exprime est un Kanak qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien aussi parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français enfin parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. Ce Kanak, ce calédonien, ce français aujourd'hui devant vous, revendique toutes ces appartenances qu'une grande partie des Calédoniens a appris à conjuguer. Je souhaite plus que jamais, au lendemain du référendum, nous soyons capables de continuer à les conjuguer ensemble dans la France et dans la paix. Je suis de la génération des accords. J'ai toujours connu la paix et le vivre ensemble entre les communautés. J'ai eu la possibilité de faire des études supérieures, de voyager, et j'ai pu mesurer la chance que nous avons d'être calédoniens et français. J'ai compris en quittant mon pays que la France nous permet de nous épanouir. C'est grâce à elle que nous, les jeunes, nous pouvons nous former, trouver notre place, nous engager et nous investir en confiance dans la construction de notre pays. Si nous pouvons regarder l'avenir en confiance, c'est parce que la France, cette grande démocratie, nous offre un vaste espace de liberté. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de conscience. La France nous garantit un état de droit et une justice impartiale. La France nous protège de nous-mêmes, comme des menaces extérieures. Pour continuer de construire notre pays en confiance, le 4 novembre, choisissons un avenir dans la France aux couleurs de la paix.